Bastien Cartier ne peut que constater les dégâts dans son garage automobile. Sur les 55 voitures garées dehors, pas une n'a échappé à la grêle. Alors là, toutes celles qui étaient garées dans ce sens-là ont eu les vitres de casser. Les vitres, les feux, les glaces de rétroviseur. Il faut donc maintenant attendre le passage des experts et prendre son mal en patience. Un nouveau coup dur pour Bastien, la moitié des véhicules endommagés étaient proposés à la vente. Le secteur automobile était déjà en perte de vitesse. Et donc là, ça met encore plus un frein, parce que c'est des véhicules qui ne seront pas disponibles de suite à la vente. Donc ça va encore impacter un peu plus l'activité. La grêle a également frappé ce vaste bâtiment. Le toit est troué, tous les commerces sont inondés. L'eau s'est infiltrée chez ce menuisier qui a dû évacuer le matériel en urgence, mais il y aura forcément des pertes. Suite à l'orage de cette nuit et les grêlons un petit peu géants, tout a explosé. Donc les constats, on les voit. Des cuisines de mortes, un bâtiment inexploitable quoi, en fait. Dans le commerce voisin, Florent Coudrin engrange les preuves du sinistre. Les deux niveaux de son magasin d'articles de pêche sont touchés. C'est un très mauvais coup pour moi parce que les pompiers annoncent qu'ils veulent fermer le magasin pour sécurité pendant plusieurs jours. Et là, c'est pas bon pour moi. Parce qu'on est en pleine période pour la pêche. On est en pleine période pour la pêche et moi je suis ouvert depuis juste un an quoi. Des semaines de galères en perspective après le passage de cet épisode d'orage et de grêle. Des entreprises du secteur vont devoir placer les salariés en chômage technique le temps de pouvoir regagner les bâtiments.